Salut tout le monde, c'est Pixel. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve les enfants, on se retrouve pour la suite de nos aventures irrémédiables et insondables sur The Banisher, Ghost of New Eden. J'espère en tout cas que vous allez bien et j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater les futures vidéos. Et merci à tous ceux qui s'abonnent avec les subs payants, ça aide énormément la chaîne d'une autre manière. Donc, on se retrouve pour essayer de découvrir le mystère de la chasse aux sorcières. Nous sommes les enfants, si nous allons dans la carte, nous sommes, je ne sais même plus où, comment ça s'appelle, c'est la Herse, hein, c'est ça, les Herse. Nous sommes ici, nous sommes au point donc de la petite caverne, nous avons réussi à débloquer le passage, parce qu'il faut savoir que lors de l'épisode précédent, Antea avait perdu ses pouvoirs, et donc nous devons explorer les Herse. Nous avons aussi des missions. Ici des missions secondaires que le village en gros ici nous ont donné, et surtout on a des quêtes qu'on n'a pas pu faire. Voilà, je vous le dis, il y a des quêtes qu'on n'a pas pu faire parce que pour le moment on est bloqué ici, mais c'est pas grave. Donc on y va, on va essayer de s'en sortir vivant. On va essayer déjà d'aller sur la gauche dans un premier temps et d'aller sur cette petite, je crois que c'est une grange qui donne sur des champs. Et après, on a un autre point d'intérêt qui est ici. Je vais déjà le pinguer, mais pour l'heure, on s'enfonce, on va voir comment ça se passe. Surtout que, pour le moment, niveau item, on n'est pas top. Ah oui, et d'ailleurs, on avait oublié de se soigner, je crois. Bon, mais c'est pas grave, écoutez, hein, si on meurt, on meurt, et si on meurt pas, on ne mourra point. Et je vois que... je vois qu'on a quelque chose ici. Voilà! Hop, déjà, ça, c'est fait. Le jeu est vraiment excellent, hein, hormis les combats. Et d'ailleurs, j'ai changé deux, trois petites choses. J'ai arrêté de mettre l'AMFSR et le DLSS. Je me suis mis à fond, sans rien, sans aide, pour voir si j'avais des chutes de framerate ou pas. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui me... qui me mindait un petit peu. Alors je sais que c'est des aides pour le faire tourner correctement le jeu, mais moi ayant une grosse config, peut-être que c'est ça qui m'en empêche. Alors on a quoi ici? Nous avons de l'argent, ok. Je vois qu'il y a des affaires qui ont été posées. C'est l'air qu'il y avait encore des gens là. Ah, il y a un coffre. C'est quoi ça? De la mousse grattante. C'est fermé. Je vois qu'il y a... ouais. Ouais, je vois. On va essayer de... Normalement, est-ce que ici... ah, normalement, je pourrais. Normalement, je pourrais, les enfants. Mais bon. On va se mettre là. Oh. Non, ça compte pas. Il va falloir qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il faut monter et tirer par-dessus? Ou est-ce que c'est de là-haut? On peut tirer par-dessus. Je pense que oui. Je vois qu'il manque des... il manque des planches, là. Donc, je pense que ça serait de là-haut qu'on puisse le faire. Et je pense qu'on va faire ça. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc là, je vais monter. Je vais voir ce qu'on a là-haut. Peut-être des choses intéressantes. Je sais que ça revient... ça, enfin, ça nous ramène sur le début de notre aventure. Mais il y avait un coffre. Et d'ailleurs, je crois qu'on a ouvert tous les coffres, hein, qu'il fallait sur les épisodes précédents. Le seul truc qu'on n'a pas pu débloquer, c'est... ah, regardez, il y a un trou. Je crois qu'on le voit, il y a un trou ici, d'accord. Le seul truc que j'ai pas pu débloquer, comme je disais, c'est les trois fétiches du pêcheur, je crois. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça que j'ai pas pu débloquer. Mais bon, ça va pas nous empêcher d'avancer. Et irrémédiablement, les enfants, de s'en sortir vivants. Et je suis vraiment content, quand même, des personnes qui suivent cette série. Hein. Il faudrait me dire, ceux qui suivent, essayez de vous manifester au moins sur un des épisodes, parce que les épisodes, personne ne se manifeste. Et donc, c'est un peu frustrant. Et j'aimerais bien beaucoup savoir si... que se passe-t-il? Wow. Voilà. Comment j'ai pu rater ça? Il y a une vieille avec une... d'où il y a une vieille qui... oh, ça c'était beau ça. Je sais pas si vous avez vu. Ah, là j'ai raté, telle une bille. Allez. Oup. Ça c'est fait, parfait. On recharge. Ça c'est fait, on recharge. Ça c'est fait. Oh, il est pas mort. Il est pas mort. Allez. Sanctifié. Ouh.
Je sais pas du tout comment j'ai fait pour m'en sortir vivant sur le premier. On aurait dit une vieille, vous avez vu ? Une vieille avec sa fourche. Je suis un peu fait caca dessus, là, sur le coup. Parce que j'ai cru vraiment qu'elle avait des pouvoirs de ouf. Hein. Donc c'est par ici. Regardez-moi ça. Là, on regarde si on a des choses. Bien entendu, oui. Et là, on peut le casser et on peut revenir sur nos pas. Mais juste avant de revenir sur nos pas, je vois qu'on a des choses. Je prends. Il y a des trucs qui vont pas, là. Un chasse-fantôme te bloque. Et pourquoi il y avait des fantômes juste avant si les chasse-fantômes te bloquent, Antea? C'est bizarre, ça, non? Comment ça se fait qu'on a des... bizarre. Bon. D'accord. On a passé la zone, mais bizarre là, le des chasses fantômes qui bloquent que Antea et pas les autres fantômes. C'est excessivement bizarre. Je me pose des questions, les enfants. Bon, allez, des pierres de sorcière, très important parce qu'on en a claqué, rappelez-vous. Voilà, 200 avec des concrétions blêmes, ce qui est très très important et très intéressant. Je sais même plus à combien on est. On est à combien? Ouais, on en a perdu, hein, on est qu'à 900. Par contre, on a beaucoup d'argent. L'argent qu'on n'utilise pas du tout. J'espère que quand il y aura des DLC, parce qu'il y en aura, hein, forcément, on aura notre compte, de flouze. Ouais, on a là-haut. Là-haut, ça donne où? Ça donne là, 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 et c'est pour contourner. Ok, bah. On va essayer de voir quand même ce qu'on a ici. Ouais, mais je peux pas, ouais. Ouais, d'accord. Hein. Je ne peux pas. Je crois qu'il est à l'intérieur, le petit délinquant juvénile, là. Il va falloir qu'on fasse le tour, en fait. Hein. Mais ça serait con de vouloir faire le tour, vous voyez? Parce que ça, ça nous servirait plus à rien. Si on fait le tour. Hein. Mais ça, je peux le péter, normalement, non? Non, je peux pas le péter. Ça doit être à l'intérieur. À moins que j'ai mal regardé. Ouais. On va aller voir ça. Oh là là, c'est ça là? Je crois que c'est ça. Hein. Faut qu'on fasse le tour. Par contre, moi, ce qui m'embouche un coin, c'est le fait que des fantômes et puis eux popper, tu vois. Par contre, ça aussi, il faut faire gaffe. Si on balance des... Enfin, si on... Là, j'ai fait tomber le loup. Mais s'il y a des démons, ils peuvent prendre son contrôle alors qu'il est mort. Et ça, il va falloir faire gaffe. Il va falloir le prendre en considération. Ah, mais c'est peut-être une torche, en fait. De quoi? Qu'est-ce que tu sens? Ah, oui. J'avais pas vu. Et merde. Ah bah... Désolé madame. Je compatis. Cinématique. Ah j'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait se faire attaquer en pleine cinématique. J'allais dire ah bah 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 bah. Bah attends, mais on n'est pas si haut que ça. C'est quoi cette corde de... Ok. Je dois avouer que c'est intriguant. Et là, on peut passer par-dessus. Ah, j'aurais pu passer par-dessus. D'accord, d'accord. C'est quoi, ça, au-dessus? Ah non, c'est juste une branche. Wards, you're on your own. Ouais. T'inquiète pas. Par contre, on va devoir faire gaffe. Il y avait quelque chose derrière, là. On l'a vu, il y avait quelque chose derrière. On va faire gaffe. Ah, ben voilà, j'avais raison, il y avait quelque chose. Par contre, ça va faire popper du monde. Ok, c'est verrouillé. Ça, je prends. On a quoi? Traduction officielle de la Bible chrétienne pour l'Église d'Angleterre. D'accord, c'est toutes les Bibles qu'on trouve. Et d'ailleurs, c'est tous ceux qui ont des Bibles qui sont dans la merde. Journal du fermier, 20 février 1694. Par contre,
Il sait écrire, le fermier ? Eh ben, on s'est disputé avec Will. La terre est encore gelée et on devra attendre pour semer. L'hiver n'est pas facile et si on n'a pas de récolte, le prochain sera pire. 28 février 1694, donc 8 jours après. Le temps passe, mais la terre est encore gelée. 18 mars 1694, donc on va dire à peu près un mois après. On n'a encore rien planté, je me sens mal. Je vais m'allonger, j'écrirai quand j'irai mieux. Ben déjà, force à toi quand même. No more words. Thank you. Force à toi de... d'avoir un... I know. D'avoir écrit, quoi, parce qu'à l'époque, c'était un tour de force, les enfants. Tour de force. On va passer de l'autre côté, hein. Vous inquiétez pas, c'est juste... Je veux savoir... C'est quoi comme coffre ? On va pouvoir level up, d'ailleurs. Hein. Je vois le bracelet, le fusil. Très très bien. C'est quoi ? Le coffre de fermier. Bon. On est parti. C'est bon. Parfait. On monte. Je sais pas où on va, mais on y va. Et par contre, comment ça se fait que ça... Que tout ça soit dans un état pitoyable, ça aussi, sacrée question. Ouh là là. Ouh là là là. Ah, j'ai eu peur. J'étais là, comment on fait ? Mais oui, on fait comme ça. Voilà, parfait. Allez, monte. Yes, c'est ce qu'il me fallait, ça. Agaric Siré. Oula ! Ouais. Dernière lettre du fermier. Faith n'a pas survécu. Et maintenant, notre ferme est cernée par ces créatures. J'ai quand même pu m'échapper, j'ai trouvé un refuge ici. Mais je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Personne ne viendra. Au Seigneur, ayez pitié. Ah, dans l'état où il est. Désolé, gars. Désolé. Ça nous mène où, ça ? Et merde. Je sais pas où on va, mais je prends. Clé du fermier, on revient. C'est parfait. Et après, on verra ce qu'il y a derrière, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai pas envie de me laisser avoir, parce que s'il y a du vrai matos... Ouah, j'ai sauté comme un dingue. S'il y a du vrai matos, ça peut être une belle chose. Allez, allez. Attends, le coffre était où ? En bas ou en haut ? En bas. On est parti. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Ouh ! C'est quoi ? Pardon, ah, je me trompe à chaque fois. Alors, on a celui-là. Le balayeur. Augmente 100% les dégâts au fusil contre les ennemis blessés. Infliger des dégâts à un ennemi d'un coup de crosse confère des points de bannissement. C'est pas mieux, hein. C'est sûr, on a plus de choses. Vous savez quoi ? Je prends. Et pour l'amélioration, il faut quoi ? Des fragments d'os éthérés. Par contre, l'autre, on peut pas l'améliorer. Hein. Bon, et ben on a pris ce nouveau fusil. Nouveau fusil, les enfants. On va voir ce que ça va donner. Qui est encore plus stylé que l'autre. Avec un canon qui est d'or et d'argent. Et ça, par contre... Non ? Et non. Allez. Écoutez, hein, il a plus de stats que l'autre. Donc je le prends. Quitte à avoir moins de... On a moins de choses sur 2 stats, mais on a plus de choses sur 3 stats de plus. Ou 4. Donc je prends, quoi. Je vais pas cracher dessus. On est où, là ? D'accord, on revient ici. Ah. Ouais. Parfait, du lin. Ça, c'est fait. Allez, on avance. On a fait le point d'intérêt. Et on s'enfonce dans les herses. Terre agricole découverte.
Je regarde un petit peu. J'ai un peu peur qu'on passe à côté de choses. Ça sent le combat, là. Hein. J'ai vraiment... Oh, regardez. Bingo. Il fait un bruit bizarre, celui-là. Il a un sale bruit. On a quoi? Pierre de sorcière. Parfait, merci. Oh, vous le voyez, ça? Est-ce que... Oh, ça serait drôle si je pouvais l'avoir directement. Par contre, là... Ouh, c'est un navire? Sérieux? What's a ship here? Incredible. Beautiful, too. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'il fout, là? Ça, c'est fait. Ah, il y a des choses à sanctifier. Ça va être le bordel. Ok, on a donc un bateau qui est là. Enfin, un navire. Mais il va falloir qu'on revienne sur nos pas. On a quelque chose à aller voir ici. Et merde. Bon. Faut qu'on avance. Take care. The place is warded. Ouais, mais en fait, le... Voilà, déjà. Le truc qui m'embête, c'est que toi, tu peux pas pop, mais eux, oui. Et ça, c'est un problème. Un problème rétinien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas ce qui s'est passé. Oh là là. Voilà. Allez. Je sais hein, quand ils vont arriver. Tac, tac, tac. Parfait. Voilà. Allez. Allez. Voilà, parfait. Encore. Mais fais des esquives. Merci. Fais des esquives. T'es gentil, mais t'en fais. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Parfait. Allez. Wouah! Wouah, j'ai géré. Je suis très fier de moi. Concrétion blême, j'en ai pas besoin en plus. Ah, mais je prends, mais j'en ai pas besoin. C'est gentil, hein, mais... Du lin? Ouais. Bon. On est toujours dans le même cas de figure. On a quelque chose à aller voir ici. Je regarde si vraiment on n'a rien oublié, hein, parce que j'ai un peu peur quand même, hein. Même si on pourra pas faire le 100%, on est bien d'accord. Parce qu'il faut vraiment faire des allers-retours et ça serait indigeste. Oh. Bingo loto. De l'argent. Et surtout les tout petits trucs qu'on a ratés. Vous savez les tout petits trucs qui pendent là, on en a eu un. Mais ça faisait un moment hein, qu'on n'en avait pas eu. Destroy those ghost wards. If you want me back. Ils sont où? Il y a des chasses fantômes partout, mais les fantômes peuvent apparaître. Ça me rend dingue. Thank you. Anytime. Ça me rend dingue de fou. Parce que bon, c'est sélectif, yes. Quoi. Ouais, yes. Something's here. Allez. Un cadavre. Ah là, encore un. Et ils sont dans un sale état. Concrétion blême, c'est ce qu'il me fallait, parfait. Alors, juste avant. Voilà. Et je vois qu'on a un truc bien. De fou. Je sais pas du tout où ça va nous amener. J'ai un peu peur hein, que ça nous amène ailleurs. Mais on n'a pas le choix. Écoutez, hein, on n'a pas le choix. On est parti inspecter. On va passer à travers le voile. Voyage dans le vide. On a de la concrétion blême. Par contre, ça pompe énormément d'énergie d'y aller. C'est violent, quoi. C'est vraiment violent de fou. Attention, passage. Ok, bon. J'espère que ça va mieux se passer. En fait, ils sont simples, les passages, si tu... Voilà, bingo, ça commence. Allez. Ouf. Ok, c'est bon, je vois. Je sais pas où... On en a trois. Faut que je réfléchisse où est l'autre, s'il est en haut, non. On se fait attaquer direct, hein. Il est là. Voilà.
sanctifié. Voilà, ça c'est... Eh ben cours ! Pourquoi je courais dans le vide ? Ah ouais, d'accord. Arrêtez. Eh ben ça va être... Qui c'est ? Ah, c'est toi ! Voilà, merci. Mais pourquoi il y a des... Oh, il y a des murs invisibles partout ! Pitié ! Allez, allez. Voilà ! Allez ! Et de 1. Et de 2. Ça c'est fait. Ok, vagabond alpha. Allez. Je vais l'avoir. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Rien à foutre. Je l'ai eu. Ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est fait. Oh là 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 là. Et je fais encore plus de dégâts sur les ennemis blessés avec cette arme. Je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai géré, hein. Là, vous pouvez... Mais il y avait des murs invisibles, là. Parce qu'en fait, c'était les endroits de pop des fantômes. C'est des box visibles, en fait. Enfin, qui sont les enfants matérialisés pour faire popper les ennemis. Donc, oh, il y a un bug, là, en dessous. Donc, c'est pour ça que j'étais bloqué. Bon, et ben on avance. Parce qu'il n'y a rien à récupérer ici, hein, je vous le rappelle. C'est vraiment juste... Juste d'un point à un point B pour avancer. Ah, le monstre alpha, il a pris deux tanges dans sa tête, c'était terminé. Et j'adore mon arme qui fait que plus ils sont blessés, plus je fais des dégâts avec. Ça, c'est insane. Par contre, ça a rien à voir avec tout ce que je vois. Je vois de la pierre partout. Et plus on avance dans le jeu, et plus je vois des voiles violets, je vois des torsades de racines bizarres. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Sans le combat, bah oui, forcément. Allez, on attaque. Hop, là, voilà. Hop, voilà. Allez. Ok, ok. On court, on court, on court. Voilà. On va pas se laisser emmerder. Très bien. Non, mais tu peux faire ce que tu veux, gars. Mais t'es. En fait, le truc, c'est que t'es blessé. Et en fait, je crois que t'as pas compris que. Voilà, parfait. En fait, faudrait... J'arrive. Voilà, et d'un. Parfait. Et là, si je fais ça... Wouah, il a pas aimé. C'est pas grave. Oh là là. Allez. Panthéa. Voilà, merci. Allez. Oh, il... oh là là. Allez, mais... Arrête. Tu m'énerves, là. Parfait. Il regagne sa vie, en fait. Je l'ai eu. Très bien joué. Très, très bien joué. Très fier de moi. Oh, 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 oh. Le retournement. Le retournement de fou. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que... Je comprends pas, là. Pourquoi ça me dit... Ah, oui, là-bas. Ah, ce retournement de fou, les enfants. Comment je fais? Ah. Attendez. Amenez-moi de l'autre côté. Parfait. Et ben, ça fait deux boss déjà qu'on... Enfin, deux mini-boss qu'on arrive à éclater. Très fier de moi. Oh, c'est la zone du vide. Yes. Je vais passer par là. Parce que si on doit... faire des combats... Merde. Ah voilà. J'ai cru en fait c'était une grosse plateforme et j'avais pas envie de... Oh. Vous voyez, de me retrouver à escalader s'il y a des ennemis. J'ai eu peur. D'accord, et en fait là il faudrait revenir et se téléporter de l'autre côté. D'accord, j'ai compris. J'ai compris le jeu. En fait la plateforme qui est là, qu'on doit grimper, va nous servir les enfants. Hop là. Pour se taper directement d'ici. Je crois. C'est qui le génie? C'est qui le génie de fou? Le génie. Le génie jusqu'au bout. Attendez. J'essaye de comprendre.
Comprends-moi, comprends-nus. Je crois qu'il faut même pas descendre. À moins que... Par ici? Voilà. Yes. C'est bon. Donc là, ça sent le combat, hein, je vous le dis. C'est parti. Si tu veux. Voilà. Voilà, parfait. Ah, ça fait des dégâts, hein. Très bien joué de ta part. Très bien joué. Le seul problème, c'est que t'as des dégâts. Ah, j'ai fait zéro. Attendez. Ouf. Ouf. Allez, et là. Et de deux. Amenez-moi vers les blessés. Allez, allez, allez. Hop là. Hop là. Hop là. Parfait, parfait, parfait. Très, très bien joué. Ouais, allez, ça, c'était bien. C'est bien joué. On a le démon alpha. On va s'en occuper. Je vais le sanctifier. Ouh! J'ai géré d'un coup. Oh là 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 là. Oh la gérant. Et non mais, c'est la première fois que sur une vidéo, je gère autant comme ça. On est d'accord, hein. Ok. Ça n'annonce rien de bon parce que je me dis que ça va être compliqué de la... Faut qu'on sorte de là, parce que plus on reste là et plus on tombe dans le côté... J'ai l'impression d'être dans le warp, dans Warhammer 40 000, je vous le dis. Ça, c'est dit. Hein. Et normalement, t'es mort. Hein. En vrai, t'es mort, mais... Ah oui. Allez, on est parti. On a la concrétion. Et là, par contre, il va falloir qu'on tourne et qu'on sache où on va. Il faut qu'on en détruise déjà deux. Une affliction, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Ouh! Oh, je fais zéro d'eggs. Zéro d'eggs. Ok. Donc, il va falloir qu'on voit qui c'est qui... Qui c'est qui... Ok, parfait. Encore. Voilà, parfait. Allez. Et d'une. Ouais, je sais, c'est pas grave. On en a un. Parce que quand je détruis l'affliction, ça sera bon. Où est le... Elle est là. Parfait. Ah là là. Bah ouais, je me fais avoir par les... Courez. Cours. Allez. Ouais, je sais. Allez. Parfait. Courez. Allez. Est-ce que je peux l'avoir? Oui. Oui! Je les ai tous eus. Oh! La gérance. Je me casse de là, je vous le dis. Je sais pas comment j'ai fait. En fait, l'autre, il protégeait, là, les vers, là, ils protégeaient avec leur pouvoir les graines, là, enfin les racines. Et j'ai tourné pour me dire, il va peut-être popper ailleurs pour plus... Oh là là là, et on a réussi. Réussi de fou. Yes. Parfait. Troisième œil, c'est quoi ça? Ouais, mais la récupération de vie, elle est nulle. La récupération d'esprit, ouais. Ah, mais tu perds en vitalité de fou. Ouais, non. Je préfère vraiment ce que j'ai. Parce que ça, quand je le bois, ça renverse les ennemis, quoi. On est où, là? Ah ouais. On est là, hein. Je vous rappelle, on est là.
On était là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fout là? Ah ouais. Ah ouais. On s'est fait une TP là. Hein. On est d'accord là. On s'est fait une grosse TP de fou. Je vais prendre ça quand même. Parce que ça coûte un bras. On va même les enfants, sauvegarder. Comment je peux monter maintenant? C'est un ascenseur ça ou un... Non, pas du tout, c'est pas un ascenseur. J'ai cru qu'on pouvait remonter de ce côté-là, mais non. On s'est fait, mais déboîted. Encore? Par qui? Attendez. Watch out. Spectre possession. Ouais, le spectre de position. Ce qui est bien, c'est qu'il peut pas se s'auto-heal, en fait. C'est ultra pété, ça, comme arme. C'est vraiment ultra pété. Putain, j'en reviens pas qu'il y ait encore des bestioles ici, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là? On va level up. Je le dis. Hein. On va level up et on va se TP là où on était. Bon, même si on sera un peu plus loin, on va remarcher, mais... Hein. C'est bien de faire les failles. Les failles permettent d'avoir du matos. Hop là. Alors, déjà, on va se reposer. Repos, je sais, ça va faire rip-hop tous les ennemis, mais on s'en fout. Toujours la scène malaisante. Alors, inventaire, on a dit, j'ai des choses à améliorer. Mon bracelet, est-ce que je peux l'améliorer? Ah oui, forcément, il va être dégâts au point, bah ouais, de fou. Ah, on peut le mettre en remarquable? Bah, vas-y, hein. Voilà, hein, il va être en remarquable, et là, on pourra pas en... Ah bah oui, le point d'Artémis, merci quoi, mais... Par contre, là, ça va être un problème, pourquoi ça me met... les enfants, pourquoi ça me met que j'ai plus la manette? Agression de fléau. Polypore. Il va vraiment falloir améliorer nos... Il va falloir qu'on aille acheter. Hein. Il va falloir qu'on aille acheter parce que là, on va pas pouvoir... Hein... Ouais, j'ai plus d'agression de fléau. Par contre, pourquoi? Attendez. Pourquoi j'ai... Regardez. Ah, là, amélioration. C'est bon, c'est en... Ouais, c'était ma manette qui merdait. Par contre, ouais, il va falloir qu'on améliore ça. Les broches. Concrétion blême. L'anneau. À moins qu'on trouve d'autres choses, hein, mais... Chier. Il va falloir qu'on se fasse un épisode où on va acheter hein, des choses. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais pour le moment, on n'a pas les derniers pouvoirs, donc on va se retrouver un peu bloqué. Mais écoutez, on va voyager ici. Parti. Voilà, parfait. On revient sur nos pas. Les ennemis aussi hein, vont revenir. Et merde. Ça m'embête un peu, là. Là, il va y avoir des ennemis, là, je vous le dis. C'est parti. Non ? Ah, j'ai cru. Hop là ! On va revenir au niveau du bateau. J'ai peur, mon équipement n'est pas à la hauteur. Mais vraiment pas. Vraiment pas du tout. Il y a du matos. Ça arrive, hop. Et ben voilà, parfait. Du matos pour moi, un petit peu. Donc là, enfin, on retourne sur nos pas. On était passé ici. Regardez, on a l'icône du tourbillon qu'on vient de faire. Ça, je prends. Donc là, si je regarde la carte, on est bien.
Là, on l'a fait, les enfants. Donc, il va falloir qu'on passe par là. Il y a un passage ici qui va sans doute nous permettre d'aller ici. Mais le mieux, c'est d'aller au bateau. Donc ça, c'est là ce qu'on vient de faire. C'est calme. C'est vraiment trop calme, en fait. La vache. Ça sent le combat de fou. Ça va, on a quand même Antea qui a son truc qui est boosté. Ah oui, on a ça, c'est vrai, on a ça, on a ça. Il va falloir qu'on fasse le tour. On va s'occuper de ça en premier. Et après, on va faire le tour. Allez, inspecter. Oh, un fléau ? C'est un fléau ? Plus de dégâts, c'est quoi ? Faire apparaître un fléau ? Un spectre ? Je sais pas si c'est ça. Je pense pas que ce soit ça. Ah si, c'est ça. C'est parti. Oh là là, comment j'arrive à me chier ? Pêcheur recourbé. Ah bah ouais. Oh ! Ouais, t'inquiète pas. Oh le pêcheur ! Oh le pêcheur, ce qu'il prend ! Oh ce qu'il prend ! Allez, à moi, je vais te sanctifier. Voilà, hop. Ah, j'ai raté. C'est moi où j'ai eu le boss avant qu'il le heal. J'ai eu le boss avant qu'il le heal. Et je suis pas en... Je le dis, hein, je suis pas en facile. Je le redis. Je suis en mode normal, hein, comme tout à l'heure. Ok. Je suis en mode normal. Attendez, je regarde, je suis en mode normal. D'où je l'ai pété? Je suis en mode normal, ouais. Voilà, j'ai pas bougé, je suis au milieu, je suis en normal sur tous mes let's play. Élite éliminée, augmentée à... Oh, tous mes attributs au le... C'est juste que j'ai dû gagner en skill, en fait. Hein. Ah, ça, il m'en fallait des bougies de rivage, parfait. Parfait, parfait. Il y a des rats, là, il y a un passage. Là, ici, on a des trucs à fouiller. On va aller voir, hein. Oh, je suis trop fier de moi. Je roule sur le jeu, là. Après, en même temps, on devient puissant aussi, hein. Au départ, c'est compliqué, mais bon. C'est moi ou c'est des énormes bras? Ah, mais c'est des bras de baleine. Enfin, des nageoires de baleine. Pardon, excusez-moi. C'est bon. Ça, je prends. Et ben... Y a rien ici. Je regarde, hein, on sait jamais. Je vois qu'on a un passage là. Ça, c'est qu'on peut sauter dessus, non? Je monte. Peut-être par là? Ça me paraît un peu hasardeux, ouais, ça me paraît hasardeux. Bon. C'est qu'on a le même passage ici, là-haut. Là, là. Comment on pourrait monter? Ah, on va pouvoir peut-être se TP, en fait. D'accord, ok. On va pouvoir voir un petit peu ce que c'est au niveau rétinien de Antea. On a eu le pêcheur. Normalement, on devrait plus avoir d'entités qui vont nous emmerder, là. On est où, là? Antea qui regarde. Je peux pas. Là, c'est où? C'est pour passer sur le côté. Ça, je peux pas le péter. Ok, parfait. J'entends des bruits de fou. Hein. Ah. Parfait, parfait, parfait. Something's nearby. Where is it? Ah. Page 2 du journal du marin, 21 mars 1672. Alice et les enfants me manquent. J'espère qu'on va bientôt rentrer, et avec les tonneaux bien remplis. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé au pauvre Gillian aujourd'hui. 23 mars 1672, donc 2 jours après. Une nageoire, on l'a prise en chasse. Mais la créature a plongé, tout est calme de nouveau. 29 mars 1672, donc on va dire à peu près... presque une semaine après. On n'a pas pris de baleine, mais le capitaine nous fait chanter quand même. Donc un mois... Enfin, pas un mois après, pardon.
Encore une semaine après, 5 avril 1672, il y en a qui voudraient bien se débarrasser du capitaine et retourner à terre. Mes avis qu'ils vont finir pendus. Ah oui, d'accord, ok. 10 avril 1672, 5 jours après, pas la moindre baleine, le capitaine ferait mieux d'être prudent. Et 4 jours après, la nourriture commence à manquer, il vaudrait mieux qu'on rentre, sinon le capitaine s'en prendra un coup sur la tête. D'accord, c'est un début de mutinerie. Sounds fun. You're such a little boy sometimes. D'accord, il y a eu une mutinerie dans le navire. C'est pour ça qu'ils auraient un... Ok. Ça, c'est bon. Concret sur blême. On entend des bruits de fou. On entend des bruits de fou, les enfants. Je ne sais pas où c'est. Ce que c'est. Un fishing boat, ouais. Non, bah oui, on sait que c'est un... On sait que c'est un bateau de pêche. Merci. Faut que je monte de l'autre côté pour voir ce qu'il y a. Inspecter, ça doit être le journal numéro 1. Page 1 du journal du marin, 14 mai 1678. Voilà 3 jours qu'on suit la baleine noire. Elle est futée, pour sûr. On la perd et on la retrouve. 16 mai 1678, 2 jours après. On a attrapé la baleine noire. Elle est accrochée à la coque. Son œil ténébreux m'observe, noir comme un colosse blessé, empli de haine. L'écume est rouge autour de la poupe et on aura de l'huile pour l'hiver. Ah, ça me fait penser à... C'était quel jeu qui... C'est pas... Non, merde, comment il s'appelle Dishonored, voilà. Avec la technologie des baleines. Ouais, mais ça, je peux rien en faire. J'ai pas mon pouvoir rétinien, les enfants. Donc je peux strictement rien en faire. Je suis désolé. Donc en fait, ils auraient attaqué une entité démoniaque. Mais c'est complètement débile, les enfants. D'où tu peux attaquer une entité démoniaque? C'est une baleine? C'est pas ça que je voulais faire. Il sert à quoi? Ah ouais, ça serait pour viser là. Ouais, viser ça, mais je peux pas. Ok, ok. Donc il faut qu'on passe par là. Putain, il y a des racines de je sais pas quoi partout là. Ah ah. Parfait. Donc là, on peut remonter par ici. Très bonne chose. This ivy is strong. Really strong. Ouais, je sais, mais on... Ah! Je peux rien en faire, je peux pas y aller. Oh, déçu, quoi. Ok, bon, Eh ben, on peut rien faire. J'ai pas le pouvoir. Et d'ailleurs, le pouvoir, on me l'a toujours pas donné. Hein. C'est-à-dire que j'ai rencontré au moins une vingtaine de trucs à visiter que je peux pas visiter, quoi. Je suis dégoûté, quoi. Faut pas oublier qu'il y a ici. C'est pas marqué sur la carte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué le lierre. Le lierre n'est pas marqué. Donc pour ceux qui suivent la série, n'hésitez pas à me le dire si quand on aura le lierre. Tiens, d'ailleurs, attendez. On peut tourner autour. Ça me mind un peu, là. Regardez. Je prends... Oh! What a name. I like it. It's very unusual. Chronos? Ah ouais, d'accord. Il s'appelle Chronos, le... Ah, et ça mène où? Attendez. J'allais partir et j'ai découvert un truc. Chronos? On a quoi, là? Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Et ça mène là et... Ah, ok. Ok, le nom de... C'est un titan, Chronos, hein, de mémoire. Hein, c'est ça, hein. C'est un des fils de Zeus, Chronos, non? Je sais plus. Je dis peut-être des conneries. Allez, on avance. Faut qu'on continue. On peut pas s'arrêter comme ça en si bon chemin. Bah, résultat, explorer les Herses. Ouais, hein. Y a pas plus que ça. D'ailleurs, je vais enlever un truc, c'était ça. Parce que je le vois sur mon truc et ça me plaît pas. Bah, il va falloir continuer. Parce que là, on a tout observé. Oh. Je t'avais raté, toi. Parfait. Continue. Hop là. Whatever grip it is the nightmare has here. Oh, il y a un village. Genre, il y a un village.
Ah, me dis pas que c'est encore un village avec un milliard de quêtes, alors que déjà, on n'arrive même pas à finir les quêtes du premier village. Pitié. Après, tant mieux pour la durée de vie, mais... Ouais, je pense que oui, regardez, c'est fermé. C'est fermé du cul. On a soit on y va, soit il y a un passage ici. Et ouais, bah oui, c'est un village, bah oui, les Hers, abri. Ah ouais, il y a un autre village. Oh la vache! La vache de fou, mais le jeu, mais il est immense! Non, mais on se rend compte de la durée de vie? J'avais vu sur Twitter qu'il y en a, ils étaient à plus de 60 heures de jeu, ils n'avaient pas terminé encore. Did you feel that? Qu'est-ce qui se passe? It's close. Ah oui, je vois. Je vois. Un cadavre. C'est quoi qu'il avait? Concrétion blême, il m'en fallait, merci. Top. Topissime. Et ça aussi. Parfait. De l'argent, plus qu'il n'en faut. Bridges up. Wonder why. Bah. To keep folk in or to keep something out. Ouais. C'est bizarre. Hein. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que même si on a bien géré. Ah. D'accord. C'était pas vous. À la base, je voulais pas tirer comme ça. Hein. Ok. Déjà, il y a personne qui vient au coup de fusil. Peut-être que c'est pas un village en fait. Enfin, c'est un village, mais peut-être que les enfants. Peut-être que je passe par là. Ouais, y a rien qui bouge là. Regardez. C'est juste moi. De quoi? I felt it too. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu sens? Que sens-tu? Ah. Et ben. Parfait, voilà, nickel. Ça c'est fait. Peut-être qu'il sera à l'abri des fantômes, ce qui m'étonnerait. Hein. Les fantômes, ils ont pas besoin de. Oula. Ils ont pas besoin d'avoir un pont. Peut-être pour les fantômes physiques. Je vois qu'il y a quelque chose là-bas. Ça m'en fout. Est-ce que je vais pouvoir la voir d'ici? Est-ce que d'ici... Oh, je pourrais pas la voir. Ah, il va falloir que je l'aie, mais... de plus près. Ok. C'est bizarre. C'est fermé. There might be a way to open this door from the other side. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est directement qui bloque directement la porte. Pas comme d'habitude hein. Là, j'ai l'impression que c'est un gros objet quoi. Ok. Ok. Voilà. Parfait. C'était un gros objet, j'avais raison. C'était le moulin, enfin le bras de grain à moudre, je crois, qui bloquait le moulin. Et le moulin est toujours pas en activité. Faudrait le remettre en activité, je trouve. Voilà, c'est pour le... Ça, je prends. C'est pour le grain. Et yes, des pierres. Des pierres. Celles qu'on a carrément utilisées d'une façon intrinsèque. Sans se retourner, hein, bien entendu. C'est la première fois que je vois des vitraux. Enfin, des vitres. Et d'ailleurs, il faut savoir, pour ces vitres-là, c'est des tout petits carrés de vitres. Et ça, c'était du plomb. C'était des lignes de plomb pour pouvoir sertir les petits morceaux de vitre. Parce que ça coûtait un bras de faire des vitres, hein, les enfants. Je sais, je vous parle de ça, vous en avez rien à secouer. Donc ici, on a un truc à aller chercher. Mais on va... Oh ouais, non mais regardez, ça se dirige vers là aussi. Oh, mais c'est une nouvelle zone qui va vers là. Oh là 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 là, mais c'est
insane. C'est insane. De fou. C'est insane. Ah! Il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Attendez. Là, on peut se barrer. Ah oui, mais si on peut se barrer, je peux aller voir. On va s'occuper de lui. Du petit loup. Parfait. Du lin. On a des champignons, est-ce que je vois? Et on a un passage. Ouais. Là, c'est la première fois qu'on tombe sur un endroit aussi immense. Hein. D'habitude, tu fais ça en début de jeu pour le joueur. Et là, non, c'est la surprise. T'es sur un truc assez grand déjà au départ. Bon, voilà, ça fait beaucoup et tout. Et puis, bam, ils te sortent ça, quoi. La zone qui fait deux fois la zone de d'où tu viens, quoi. Tu fais, ah oui. Ok. Je vais contourner, on ira après. Je vais contourner, je veux voir si... Regardez déjà. Voilà. Un fragment d'âme, ça c'est important. Je regarde si on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Le moindre truc est important. Je préfère le rappeler une nouvelle fois. Ah, ça il m'en faut. C'est de l'élébore ça, non? C'est bougie des... Voilà, bougie des rivages, il m'en faut. Je le pète. Et on n'a rien. D'accord. Ah si. Du lin. Parfait. Là, regardez tout ce qu'il y a. Ça, on en a cherché. On en a eu au tout début du jeu. Et après, on n'avait plus rien. Quoi. Et ce qui est drôle, c'est que regardez. Ah, c'est bon. L'ombre est, sur l'eau est vachement pixelisée alors que j'ai arrêté de mettre le DLSS. Oui. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un cadavre ici? Non, me dis pas qu'il travaille à côté de cadavre. Il y a un moment... Ah non, c'est un coffre. Concrétion blême, pièce de 8. On regarde la carte. On va pouvoir remonter ici. Là, on a un passage. Là, on a des maisons. J'ai un peu peur là. Village. Ouais. Là, on a un passage. On va pas y aller, hein, bien entendu. Ça sera pour d'autres vidéos parce que ça fait déjà un moment qu'on tourne. Là, ça, je parie que c'est fermé. C'est fermé. We need to find the key to open this. Voilà, il faudra une clé pour passer ici. Ouais, j'ai cru qu'on pouvait sauter, mais non. Eh bien, il va falloir aller voir ce que c'est que ce village, hein, parce que tout est fermé, on a que deux passages de chaque côté, qui peuvent nous amener très loin, d'ailleurs. C'est pour ça que ça me fait bizarre. C'est énorme, hein. C'est, imaginez, vous découvrez un nouveau jeu dans le jeu. C'est hyper bizarre, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est violent. Village is full of ghost wards. Ah. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. Ok, bon. Au moins, ils ont réussi à survivre. Hameau des herses, découverte. Oh la vache. Oh there. Anyone home? Where did they go? La vache. Y'a personne. The well, recently sealed. Below, it feels... Oh là là, c'est comme The Witcher. Comme The Witcher, les enfants. Y'a quelqu'un? Oh. Oh la vache. La vache de fou. Et je vois que là où il y a un truc qui est en construction. Tout est fermé. Cherchez les colons. Fermé. Putain, on peut pas enjamber ça. Dommage. Il y a une lumière là. Il y a peut-être du monde. Ouais.
personne. Y'a quelqu'un? Putain, mais y'a personne. Y'a des lumières, en tout cas. C'est, normalement, ça veut dire que t'as quelqu'un quand t'as des lumières. Ils m'ont vu arriver de loin ou ils ont eu des soucis, là? L'ambiance est folle, hein. Je vous le dis. Hein. En plus, il y a là, c'est un pâtissier, un bakery. Ouais, c'est un boulanger, pardon. Il y a un boulanger. Il y a une forge. Il y a vraiment de quoi... enfin, c'est un vrai village, quoi, là. Hein. Là, on est sur un vrai truc, quoi. Ah non, me dites pas qu'il y a aucun survivant. Putain, on pouvait se mettre bien, là, pour une fois. Pitié. Y'a personne, là? Oh non. C'est un réparateur de chaussures ou de vêtements, ça? Enfin, chaussures, mais il doit pas faire que ça, je pense. Oh la vache. J'ai tapé à toutes les portes. Hein. Je vous le dis. Hein. Enfin, à peu près à toutes. Il y a personne qui répond. C'est vraiment flippant. Il y a quelqu'un? Faudra qu'on fouille correctement tout ça. C'est une Bible, hein, ça. On est d'accord? C'est toujours la même Bible. Bah. Il est fermé. Bah oui, forcément, il est fermé. Perhaps there's a key. C'est la clé de quoi, ça? Excusez-moi, je casse un peu le mythe, hein, mais... effet du personnel défunt. Ouais. Oh là là, il y a un truc pour descendre. J'ai oublié de fouiller la forge. En bas, on va y retourner. Yes, de la carrique. Le lin, on commence à en avoir. Mais c'est que ça part vite, hein. Vous avez vu, hein, dès qu'on commence à faire des accrétions... Enfin, des accrétions, mais dès qu'on commence à aller dans le côté du... le côté interdit de la force, c'est la merde. Tiens, regardez, j'ai failli passer à côté de ça. Ah, moi, je fouille, hein. De toute façon, on est sur un let's play total et irrémédiable, hein, je l'avais dit. Tiens, regarde. C'est fermé. Y a personne qui répond. Et tout est là. Y a pas eu une trace de combat, y a rien eu. Pitié. Pitié de fou. Et ça peut pas être un fantôme. Y a des... Ah, quoique, ça veut rien dire. Y a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Quoique, ça veut rien dire parce que, regardez, hein, y a des chasses fantômes un peu partout. Et les fantômes pop, sauf en TA. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, d'ailleurs. Je sais pas si c'est un bughead. Oh là là, quand t'as un jardin... au pied de la... Oh là là, mais formidable. Ah, ça nous permet de descendre, d'accord, en fait. Ça sert à rien. Mais je peux le faire monter, c'est ça? Utiliser, on va le faire monter, comme ça on gagnera du temps. Ah, c'est bloqué? Et merde. What? Ah non, me dis pas que c'est une secte. Me dis pas que c'est une secte qui a foutu le merdier. Parce que ça va pas le faire, là. Autant les fantômes, bon, on les affronte et tout, les fantômes sont un peu con-con, voilà, ils veulent se venger de ce qui leur est arrivé. Mais une secte, non, gars. Je crois que... Ouais, il va falloir que je défonce le truc ici, d'accord. Je crois qu'en fait, on va affronter la secte et on va leur retirer tout leur machin. Ou alors un fervent défenseur de le... Oh, déjà, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser en TA, donc ça veut dire qu'on va tout déboîter. Je vous le dis, hein. Il y a des chances. Et ça nous permettra d'aller juste dans ça, mais ça, on peut pas y aller. Le mec à côté, bonjour. Ah, mais c'est... Exiled from our homes by the devil's machinations, we congregate before the Lord in this new meeting house. Il me dit quelqu'un. We gather, we worship, we overcome.
And we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction. Ah oui, non mais c'est ça, ouais, c'est celui qu'on avait au départ, qui était très gentil. C'est un démonologiste. Pouring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house je crois, be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith. A shining reminder of our renewed belief in better days. McCraith, Mr. McCraith. I thought you. What happy portent, what most excellent news. What blessings. I applaud your valorous deeds. O fate, I say, dead, sir, I thought you dead. Maybe I am. Do not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. C'est dommage que dans la traduction, il nous a dit mon ami. Hein. Il a dit my friends, mon ami, et c'était pas marqué hein, quand il nous a dit ne rigolez pas avec ça, mon ami. Et ils ont juste mis ne rigolez pas Thank avec you, ça. Ami. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour, we find the moral vigor to build this humble monument to resilience. But you and I must speak of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? Je préfère pas en parler. I'd rather not talk about it. Blessed is the man in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. Oh, I know. Si tu savais. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome en tout cas, il est sympa avec nous depuis le début. Comment je peux aider? How may I help? One among us deals with the devil. The colony suffers grave misfortune, and I am ashamed to say, the evil comes from within. You and I share great expertise, but I am a man of position. Well, you, sir, are much more familiar with field work. Go, meet my people, walk amongst them. Learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Ouais, ça va foutre le merdier. Hein. Ils se sont barrés de là de New Eden, hein, si j'ai bien compris. Hein. Ils se sont mis ici. It is a witch hunt wise. Here, now. Well, it is not just wise, it is imperative. This servant of the devil has delivered a pestilence unto my people. La peste. The black spy himself desires our destruction. First with sickness of the flesh, and then when we are down. With sickness of the spirit. C'est pour ça qu'ils ont fermé le puits. It pits one against the other. C'est une parabole de dire la peste. Apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. Ah, c'est une sorcière qui parle, pourquoi?
Il a dit un démon, moi je croyais que c'était quelqu'un qui était d'accord. Donc ouais, c'est dommage que les sous-titres te spoilent en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est une sorcière ici ? Aye, sir, I'm a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. Tis the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. Ouais, ou alors c'est juste des virus et vous êtes tous au même endroit, donc... Ah, voilà, l'eau du puits a été contaminée. D'accord, c'est pour ça qu'elle était fermée. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall. Or his, of course. As did the last one, as will the next. Some years ago, you may have heard tell of this, I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. À propos de la maladie, tiens. This illness, tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Ah merde, nous on a détruit tous ces trucs qu'il a posés. Safeguarded from the curse, we all felt safer for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone on the inside, mind. Spoiled water proves nothing. A wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. Ma raison de plus. One way or another, the devil has found an agent among us. And who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. Raison de plus. En fait, là, le problème, c'est que vu qu'ils sont accablés de toutes parts depuis le début, certes, il y a des démons, hein, ils savent qu'il y a des fantômes, enfin voilà, tout ce qui s'est passé, ça a même tué notre femme. Bah, en fait, le moindre truc, ils vont le prendre pour un truc de démon, tu vois. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et on va tuer quelqu'un, ça se trouve, le jeu va nous amener à tuer quelqu'un pour rien. Faire attention. Ghost Wards, an interesting name. I call them Sanctifiers, a name more palatable to my flock. Pourquoi vous les avez fabriqués? Bon, c'est un peu con, il veut sanctifier. Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. Ok. Ça n'a pas l'air de fonctionner en plus qu'il a mis, parce que ça continue, quoi. It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. C'est vrai que vous voulez chasser la magie avec de la magie. C'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est vrai. A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course, I know all that there is to know. Or near enough. Ask your question, sir. Ask away. Non, on s'en fout de lui. Mais par contre, on n'est pas un chasseur de sorcières. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Bah, on a croisé des sorcières, hein, on était même dans sa tanière. Elles sont pas si méchantes que ça, au contraire, elles essayent de vous aider malgré que vous les essayez de les brûler, en fait. Et elle continue à vous aider alors que vous tuez leur consoeur. Hein. Mais bon, je peux pas dire ça parce que. Why would anyone choose to separate from God's flock? I'm afraid some just want to see the world burn, Mr. McCraith. Oui. By the grace and charity of the good Lord, she was exposed. It was my honor to serve him in sending her to hell where she belonged. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. You cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay. So I'll do what I can. Okay. I'll take my leave of you, Governor. Of course. Outside, you must take the stairs.
While you're with us, the first house on the left shall be your home. Ok, portrait. Pilier honorable et suffisant de la jeune civilisation de New Eden, le gouvernement bannit l'intelligence et aucun installé. Ouais, non, mais ça, on l'avait remarqué, ouais. Et il y a quelques années, le gouvernement a condamné une sorcière. Ah, c'est peut-être le fantôme d'une sorcière. Ou alors son fils aurait. Oh là 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 là. Oh, je sens mal le truc que ça le concerne, lui. Another witch hunt. Et merde. Ouais, je pense. Another false accusation. Ouais, je pense. Another blood. Je pense que c'est une fausse. Ah, bah d'accord, il m'a bloqué. Je pense que c'est une fausse accusation, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Je pense moi aussi, malheureusement. Malheureusement. Et merde. Ah, ils ont enlevé les. D'accord. I'm glad you're here too. Ah! Voilà. You're the governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends Lamentation, call me Lammy. D'accord. Oh, they would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not non, the time. Ah non, pas du tout, non. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Vous savez quoi, les enfants, parce que ça fait un moment. Good day to you, Lammy. On lui parlera. Good day to you, sir. Lors du prochain épisode, ça fait un petit moment qu'on tourne. Ça va faire près d'une heure et demie. Ghost Ward, I think you can safely knock it over. Hop là. I'm with you once more. Voilà, parfait. Au moins ici, tu peux te battre. On continuera, les enfants. On continuera. On a trouvé la clé de l'homme décédé. La malédiction de New Eden, un interminable hiver. Ai-je déjà parlé de l'hiver interminable? Parfois, je perds la notion du temps. C'est la raison pour laquelle je garde ces pages jusqu'au jour où je les offrirai au vent, pour assister à ce qu'il nous est arrivé, en 1694. La maladie est arrivée. Les poulets sont morts en premier, puis se fait le tour des veaux et des agneaux. Les récoltes avaient été mauvaises pendant l'été. L'automne était gris et froid. Les gens âgés ont commencé à mourir. Je me souviens, je crois que c'était au mois d'octobre, quand on a enterré les Hutchinson, toute une famille emportée par la maladie, enfants comme adultes. Ensuite, il y eut l'incendie sur les quais, ou bien était-ce avant. Ah ça, on sait qui c'est qui a foutu le feu. J'ai du mal à me souvenir. La peur grandit et il fut décidé d'envoyer les enfants ailleurs par précaution. Tu vois, ils mélangent tout. L'incendie, ça a été fait, vous savez, par la résistante, la française, là, qui était une infiltrée au compte des Français. Hein. Le gouverneur Haskell ordonna que les enfants fussent envoyés ailleurs. Podur, New Smith et Nicolas Dolan, Nicolas le pauvre il est mort, hein. c'est Podur qui l'a tué, acceptèrent de les amener à Boston. C'était en décembre, je me souviens parce que j'ai écrit une longue page de mon journal ce jour-là. Le 7 décembre, le froid était déjà rude, il n'a fait qu'empirer depuis. Le printemps n'est jamais venu, d'après mes notes. Nous sommes au mois de mai et la neige et la glace sont partout. Notre seul visiteur pendant ces nombreux mois fut l'ami français du gouverneur, Étienne Roulet, et même lui ne peut plus repartir maintenant. Le révérend Davenport a cessé de donner ses sermons dans l'église, les survivants sont affamés et gelés, bientôt de l'aide devrait arriver par bateau, des bannisseurs venus d'Europe. Je me demande s'ils parviendront à repartir comme le reste d'entre nous. Lucie B. D'accord, je ne sais pas qui c'est Lucie B, mais vous voyez là, c'est ce que je disais. La plupart des problèmes là, qu'ils ont rencontrés, il y en a déjà, pas de la moitié, mais il y a des trucs, c'est pas les fantômes, quoi. C'est pas les fantômes. C'est ça le problème, les enfants. C'est ça le problème. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir lors de l'épisode prochain. Ça va être des dingueries, les enfants. Faudra qu'on améliore notre inventaire, notre évolution, et qu'on aille voir ce qui se passe dans ce village. Et interrogez tout le monde. Allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie tous de votre fidélité. Salut tout le monde.